Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. La une RCF. Prions avec le pape François. En ce mois de janvier, nous prions pour les victimes de persécutions et de discriminations religieuses. Au micro, Thierry Monfils, avec l'équipe au complet, accueillie par RCF Liège. Merci Eric Cooper de nous enregistrer l'émission. Nous sommes là, Anne-Sophie Pauli, Marie-Alice Mas, Benita Moutoni, Luc Mathuès et Cédric Lecrubier. Notre prière commence par nous ouvrir l'esprit à la venue de Dieu. Marie-Alice, nous t'écoutons. Voici une nouvelle journée. Je l'accueille dans la confiance de ce qui me sera donné de vivre. En faisant mienne la parole de ce jour, est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sous le lampadaire? Quelle est donc pour moi cette lampe dont parle Jésus? Comment je la mets sur le lampadaire? Seigneur, je t'offre cette journée en pensant à toutes les personnes qui sont persécutées à cause de leur religion. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour qui commence. Nous te bénissons pour cette lampe que tu as allumée en nos vies, que nous puissions aujourd'hui vraiment être éclairés par ton visage d'amour et que nous puissions refléter sur nos frères et sœurs, spécialement ceux qui souffrent, cette lumière d'amour que tu veux répandre sur l'humanité. Cette métaphore de la lampe utilisée dans la prière du matin me parle beaucoup, parce que qu'est-ce qu'une lampe au fond, si ce n'est lorsque je suis dans ma chambre, que cet instrument qui permet d'éclairer mon univers, de me sortir de l'obscurité, mais aussi de me réchauffer, réchauffer ma vie, un peu comme toi Seigneur, qui est le flambeau de mon existence. Tu es la lumière éternelle de mon cœur, de mon esprit, de mon âme, et aide-moi à ta manière, à être une lampe aussi pour éclairer ma vie et éclairer ceux qui m'entourent par ma foi et mon amour pour toi. Alors, je trouve cette phrase très intéressante, mais je trouve aussi que c'est intéressant d'analyser d'un point de vue archéologique. Parce que le boisseau, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est une lampe à l'époque? Alors déjà, les lampes, c'est de toute façon des lampes type lampe à huile, donc les lampes avec une flamme. Et le boisseau, c'est une espèce de pot, de récipient. Donc ça veut dire que si on met la lampe sous le boisseau, elle ne va plus avoir d'oxygène, elle va s'éteindre. Et si on la met sous le lit, c'est carrément dangereux, il risque de s'enflammer. Donc, même si, en parlant de la fraternité, et du fait d'oser parler de Dieu, ça dit aussi que... L'image raconte aussi que même si on a envie de cacher parce qu'on a peur, au final, soit on va éteindre cette flamme, soit ça pourrait mal se passer et que donc ce que Jésus nous invite à faire, c'est d'oser le mettre sur le lampadaire, de le mettre en évidence et de laisser briller et rayonner toute la lumière dans la pièce. Oui, que Jésus rayonne dans toute la pièce. C'est ce que nous pouvons recevoir lorsque nous pensons au Seigneur comme la lumière. La lumière a ce privilège d'être un titre de Jésus. Il est la lumière du monde. Il nous dit aussi que nous sommes la lumière du monde, avec lui. Elle est belle, la lumière. Elle vient éclairer toute personne, toute chose, tout objet, toute réalité, dans la journée ou dans la nuit, quand elle brille, elle a un contraste étonnant qui nous fait voir le dialogue des choses avec la parole de Dieu. Toute réalité peut être éclairée par la parole de Dieu. Merci Seigneur de venir à notre rencontre et de donner sens à toute vie. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que les stèles exultent et fleurissent, et l'éclat en cri de joie. Se répand. Aujourd'hui, c'est la veille.
Prions avec le pape François, en laissant notre prière s'approfondir. Cédric, nous t'écoutons. Une première partie de ma journée est passée. Pour Frère Soleil, Seigneur, je te dis merci. Suis-je sur la voie choisie ce matin? Seigneur, donne-moi la force de continuer le combat pour un vrai changement intérieur. Donne-moi d'emprunter ce chemin du cœur qui est un chemin de conversion et de rencontre avec toi, avec les autres. Que je ne les vois plus comme des obstacles, mais comme des ponts pour la fraternité et la sainteté. Merci pour les personnes de mon entourage, de notre entourage, qui, pour leur bienveillance. Des fois, cette bienveillance peut peut-être nous peser, ou on n'est peut-être pas prêt. Et on voit les personnes comme des obstacles, comme des personnes qui nous empêchent d'avancer, qui nous retardent dans ce qu'on a besoin de faire. Mais si on prend le temps d'y réfléchir, souvent... L'interpellation, le message envoyé, c'est des preuves de bienveillance. C'est des personnes qui veulent m'accrier la fraternité avec nous. Donc, merci pour ces personnes-là. Et pardon pour des fois mal leur répondre ou être énervé parce que je vais avoir 5 minutes de retard, parce que je n'ai pas envie de répondre au message, mais alors que ça vient du fond du cœur. L'autre, dans ses différences, fait peur, inquiète, semble parfois menaçant, du moins c'est ce que j'entends dans certains discours et discours politiques du moment, alors que l'autre, au fond, est une vraie source de richesse, une richesse incroyable dans sa pluralité, sa différence, qui est à accueillir. Je te demande, Seigneur, de nous aider à ouvrir nos esprits, notre regard sur le monde et les autres, pour créer en effet des ponts plutôt que des barrières. Seigneur, je voudrais te confier tout simplement... nos frères des autres religions, comme les musulmans, les juifs, qui sont aussi souvent victimes de beaucoup de discrimination. Si nous voyons les autres comme un obstacle à nos projets, c'est que nous sommes, pour une part, extérieurs les uns aux autres. Et si nous construisons un pont, si nous bâtissons la fraternité, si nous grandissons en sainteté, nous exprimons aussi l'intériorité réciproque entre les personnes de l'humanité. Seigneur, aide-nous à passer de l'extérieur à l'intérieur. Aide-nous à devenir vraiment humains. Mets nos cœurs auprès de ton cœur. Je te donne mon cœur. J'aime meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est troisième temps dans notre prière,
nous laissons notre esprit s'élargir aux dimensions du monde, le monde et ses soucis, ses tourments. Nous écoutons un texte qui nous est lu par Anne-Sophie. Reste avec nous, Seigneur, car le jour baisse et déjà le soir approche. J'ai essayé de demeurer dans ton amour aujourd'hui, de tourner mon cœur vers toi pour espérer un changement de cœur. Tout n'a sans doute pas été comme je l'aurais voulu. Mon tempérament fougueux a peut-être voulu prendre le dessus. Pardon, Seigneur, car ce n'est pas ce que j'ai voulu. Je rêve d'un monde sans discrimination, un monde où chacun se sente frère et aimé, et j'espère mieux vivre cette fraternité demain, si tu le veux bien. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Cette prière nous interpelle parce que le monde sans discrimination dont nous rêvons, ce monde où chacun se sente aimé, il passe aussi par nos propres démarches, nos propres actions. Est-ce qu'un tempérament fougueux, ou à la rigueur paresseux, est-ce qu'un tempérament vif, ou à la rigueur lent à faire venir le monde qui vient, ne sont pas des obstacles eux-mêmes en nous, à ton royaume, Seigneur. Convertis nos cœurs, convertis nos tempéraments pour les mettre au service, soit de la vigueur de ce que tu demandes, soit de la patience que nous sommes invités à vivre, et que tous puissent être en dialogue. Seigneur, que cette fraternité passe par nos esprits, nos pensées, nos actes. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette journée passée. Te remercier et te demander pardon pour toutes les fois où nous avons fermé nos mains. Toutes les fois où nous nous sommes coupés de la grâce, de la source que tu es. Nous voulons te demander vraiment de nous accorder le repos de nos âmes, de nos corps et de nos esprits, et que tes grâces qui se renouvellent chaque matin rayonnent encore pour demain. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Quand on a besoin d'aide, le plus dur, c'est de pouvoir demander à l'aide. Le Seigneur, viens aider tous les gens qui ont besoin de pouvoir, qui ont besoin de ta force pour venir demander l'aide dont ils ont besoin pour aller mieux, que ce soit une aide matérielle ou spirituelle. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous prions aux intentions les uns des autres, que nos vies puissent te bénir, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Effectivement, on rêve tous d'un monde sans discrimination. Un peu comme l'a dit Thierry, c'est pas toujours évident avec notre tempérament, notre manière d'être. Mais Seigneur, aide-nous à prendre assez régulièrement du temps pour réfléchir justement à qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à avoir un monde sans discrimination. Je pense que si on prend à chaque fois un petit temps de réflexion, ça nous aide justement à changer, à pouvoir faire un petit pas dans le bon sens le lendemain, enfin dans les jours qui viennent.
béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. C'était Prions avec le pape François. Merci d'avoir été avec nous. L'équipe vous salue, vous souhaite une bonne fin de journée. Avec Eric Cooper à la technique, et merci RCF Liège de nous accueillir pour cet enregistrement. Avec Anne-Sophie Pouli, Marie-Alice Mas, pour le réseau Jeunesse Ignatien, Benita Moutoni pour le Mèche de Liège, et le service diocésain des jeunes, avec Luc Mathuès et Cédric Lecrubier. Au micro Thierry Monfils, qui ne manque pas de vous rappeler, en ce mois de janvier, qu'il est encore temps de commander vos affiches. Les affiches qui, chaque mois, vous donnent l'intention de prière du pape, affiches des éditions Fidélité, qui les produisent au prix de 12 euros pour la série de 12. Vous pouvez les demander à info@jesuite.com, ainsi que les signets correspondants, hein, dans la grande tradition des signets de carême, d'avant, de fidélité. Le réseau prier du pape vous propose 12 signets pour prier chaque mois avec le pape François. Vous pouvez les demander à l'adresse prieredupape@cato.be ou par téléphone 0466 21 32 00. En vous souhaitant une bonne fin de journée, à bientôt. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E arrivederci!